Gaston et Fernande. Oh, tout le monde les connaît bien dans le pays. Ce sont deux braves fermiers, honnêtes, travailleurs et bons chrétiens. D'ailleurs, quand elle le peut, Fernande, elle rejoint la chorale le dimanche matin à la messe. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance. Elle le chante très bien. Tous les deux, ils ont eu un gros malheur dans leur vie. Leur fils est mort à la guerre. Et à eux deux, pour faire tous les travaux de la ferme, ben, pour sûr, faut avoir la santé. Ah, la santé, Fernande, elle l'avait. Elle l'avait jusqu'à ce matin. Elle s'est réveillée, le corps plein de douleurs. Mal au ventre, mal à la tête, mal aux intestins, mal au dos, mal aux reins, mal au foie, les yeux jaunes. Une haleine d'œuf pourri et la fièvre qui lui bat les tempes. Son mari, Gaston, l'a jamais vu dans cet état-là. Mais voyons donc, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Il se souvient, il va chercher au fond d'un placard un élixir que lui avait vendu un colporteur. Bon, il l'avait regretté, ça n'avait jamais servi. Mais à peine avalé, Fernande a recraché aussitôt les deux cuillerées à soupe de la jouvence de l'abbé Souris. Et elle va de mal en pis. Oh, mais voyons donc, mais qu'est-ce donc cette affaire, là? Alors, il se résout à appeler le docteur. Le docteur Vintrou. Bon, c'est la première fois qu'il vient à la ferme. Il ausculte Fernande, lui prend son pouls, écoute sa respiration. Il pousse un grand soupir et les yeux atterrés, il quitte la chambre. Mais voyons donc, mais qu'est-ce donc cette affaire là? Bon, Gaston n'a pas payé, mais enfin tout de même. Alors, il fait appel au guérisseur. Le guérisseur passe les mains au-dessus du corps de Fernande. Il prescrit des tisanes amères. Et en serrant la main de Gaston, il lui signale qu'il peut lui procurer un cercueil en bois verni pris à débattre. Oh, mais non, mais non, mais qu'est-ce que c'est cette affaire, là? Voyons donc. Alors, Gaston fait appel au désenvoûteur. Le désenvoûteur, à peine entré dans la chambre, il se souvient qu'il a un rendez-vous important et il s'en va en courant. Mais Fernande, mais voyons donc, oh, mais qu'est-ce donc cette affaire? Alors, n'espérant plus qu'un miracle, il fait appel au prêtre. Et il arrive avec son étole, les hosties, les huiles. Mais dès que Fernand l'aperçoit dans la chambre, elle éructe un juron, fait un geste obscène et couine comme une chienne en rute. L'homme de Dieu hoche la tête. Gaston, mon pauvre Gaston, ta femme est possédée du diable. Je ne peux rien faire pour elle. Dans ce cas, seul un fragment de la vraie croix pourrait la sauver. Enfin, si jamais tu trouves cette relique, pose-la sur son cœur et aussitôt elle sera guérie, prête à traire les vaches. Que la Vierge t'accompagne. Gaston a embrassé le front de son épouse et il est parti sur la route à la recherche de la précieuse relique. Il a interrogé les laboureurs dans les champs, les maréchaux ferrants dans les écuries, les femmes près des lavoirs ou devant les églises.
Dites-moi où trouver un morceau de la vraie croix. Bon, les gens ont haussé les épaules, lui ont tourné le dos, ou se sont moqués de lui. Le soir, après une longue errance, il s'est assis dans un pré contre le soc rouillé d'une vieille charrue. Il a mangé un dernier croûton de pain, relevé son col, mis les mains dans ses poches et il s'endormit dans l'herbe. Le lendemain matin, un rayon de soleil dans les yeux le réveille. Il bâille, il s'étire, il se lève et, regardant la charrue, il lui vient une idée. Il ouvre son couteau et il prélève sur le manche de la charrue un mince morceau de bois et il le dépose pieusement dans son mouchoir. Il s'en retourne chez lui. Arrivé au chevet de sa femme, il lui dit « Regarde, regarde, Dieu nous aime. J'ai trouvé un morceau de la vraie croix, celle où Jésus est mort pour nos péchés. » L'ensorcelée, pleine d'espoir, se saisit du mince morceau de bois et les yeux exaltés le pose sur son cœur. Et Fernande voit un démon sortir de sa bouche et sauter sur la table. Dans la pénombre de la pièce, elle distingue ce diable cornu, barbu, poilu, la langue fourchue, avec une queue sale comme un rat. Et ce diable écumant se met à brailler. « Tu as eu de la chance, bougresse, d'avoir eu la foi. Sinon, 1000 charrues n'auraient pu te débarrasser de moi. » Et le diable disparaît. Fernande pousse un grand soupir. Elle se redresse, sourit à Gaston et sort de son lit. Un simple morceau de bois l'avait guéri de ses fièvres. Oh, comme quoi, parfois, quelques gouttes de foi dans un grand bol d'espoir peuvent guérir les maux les plus bizarres.